Quelle est l'odeur que vous adorez respirer? C'est la question que j'ai envie de vous poser ce matin sur Virgin Radio, parce que il y a quelques instants, mon Fabounet nous disait avec ses mots qu'en gros, il était très bon pour votre santé de lâcher des caisses et de les respirer. Attendez. Écoutez, faut vous dire là, ce qu'il y a. Là, rien de grave, puisque vous ne me croyez pas, je vous ai envoyé l'article de Passeport Santé. Oui. Donc c'est une info médicale. Et évidemment. On est avec Christophe au 3916. Salut Cricri. Coucou les amis, comment ça va? Ça va et toi? Salut Cricri. Écoute, ça va. Il faut faire attention en Alsace parce qu'il a gelé et des pluies verglaçantes. Donc, faites attention si vous êtes sur la route. T'habites où en Alsace? À Mulhouse. Ah, j'adore. Mulhouse. La ville de Delphine Vespizer. C'est vrai. Delphine Vespizer qu'on embrasse évidemment. Christophe, l'odeur que tu aimes respirer, qu'est-ce que c'est? Alors moi j'adore quand je fais le plein, c'est l'odeur du samplon 95. Pour moi je prends une grande bouffée d'air quoi. Ah c'est vrai, l'odeur de l'essence c'est toujours un succès. Ah, ouais. Moi j'adore. Ah ouais. Je mélange ça avec l'odeur des nuts que j'achète à la station service. C'est toujours un succès. Toi Fabien, l'odeur que tu aimes respirer? Eh ben parce que quoi, j'ai un petit rapport avec l'auditeur, c'est qu'en fait moi j'aime bien l'essence, mais il y a un truc vraiment, le cocktail fabuleux quand je suis à la station essence, c'est gaz d'échappement. Essence. Alors là, je suis au paradis. Tu me rajoutes un peu de diesel là-dessus. Oh, je décolle. Moi, j'adore l'odeur des feutres Velleda. Ah ouais. Vous souvenez des feutres Velleda? Bien sûr, on connaît. Ça, j'adore. Et hier, on a reçu à la radio une boîte de pâte à modeler aussi. Et j'ai sniffé la pâte à modeler pendant des heures. Et donc, toute mon enfance, je sniffais de la pâte à modeler et des Velleda. Mais il faut que vous compreniez pourquoi je suis dans cet état aujourd'hui. Il faut que je vous raconte cette anecdote. C'est qu'hier, voilà, vous le savez pas, mais Guillaume, il a reçu, je sais pas pourquoi, c'est le seul à recevoir de la pâte à modeler. Bon, bref, il reçoit un paquet de pour faire de la pâte à modeler. Il joue avec, bon, normal, comme un enfant, quoi. J'ai pas joué avec. J'ai fait des sundaes avec. Exactement. En fait, c'est un kit barista où tu peux faire tes propres sundaes. Bravo. Bah, en tout cas, je te félicite. Et en tout cas, sache qu'après, il y a les services du ménage qui sont passés. Moi, j'étais encore là. Et ils ont vu la pâte à modeler. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que ça fait là, ici? Et il y a un mec qui dit, il y a des enfants qui sont venus. Je dis oui, il s'appelle Guillaume et il a 30 ans. J'avais mis mon petit tablier. Ouais, j'étais content. Diane, l'odeur que tu aimes, toi, c'est quoi? Alors, moi, j'en ai deux. Alors, j'ai l'odeur de mon chien. C'est tellement rassurant, je sais pas, c'est mon chien quoi. Donc je sais que les gens ils aiment pas l'odeur des chiens, mais moi personnellement c'est la meilleure odeur du monde. Et ensuite, alors quand je suis en couple, j'adore sentir les cheveux. Ah ouais. Mais tu sais que moi je suce mon pouce. Ouais. Et j'adore sentir une mèche de cheveux avec. En fait ma mère elle faisait ça quand j'étais petite avec les nounous. Pour m'endormir, il me mettait une mèche de cheveux et du coup je me suis habituée à l'odeur de cheveux, mais il y en a que certaines que j'apprécie. Je passe pour une fille trop bizarre. Non. Mais il y en a que certaines que j'apprécie. Donc souvent quand je sais que c'est un chéri avec lequel ça va durer, c'est que souvent l'odeur me plaît parce que sinon ça me perturbe. Donc d'accord. Tu aimes sniffer les cheveux de ton partenaire? Oui. Mais c'est les cheveux, vraiment le cheveu qui est sur la tête ou c'est le poil, n'importe quel poil? Non, c'est les cheveux. Et d'ailleurs, mon ex-chéri, je me rappelle quand il jouait à la PlayStation, je me mettais derrière lui et juste passais mon temps à sucer mon pouce et sentir ses cheveux pendant qu'il jouait. Ah ouais. C'est d'accord. Une belle tranche de vie que tu nous racontes là. Merci Christophe d'avoir été avec nous sur Virgin Radio. Merci. Le Morning sans filtre sur Virgin Radio.